Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Castle Story, toujours avec Katox. Salut Katox! Salut. Et on se retrouve donc pour la conclusion du pont, parce que oui, je sais faire des ponts, n'en déplaise à monsieur. Voilà, si tiens, tu coupes catapulte. Un petit coup de catapulte dedans, ouais. D'ailleurs, ça va... D'ailleurs, tiens, c'est marrant, chez moi, ta catapulte, elle est buggée avec le tonneau en l'air. Original. Ouais. Genre, Bon, je me pose plus de questions. il est en train de s'envoler vers sa cible, le tonneau, quoi. J'espère qu'il va pas retomber sur tes mecs et exploser, ça serait un peu ballot. Non, même pas. Il n'y a même pas de cible établie encore. Alors, on va prendre un petit archer, on va prendre Tibbs, tiens. Tibbs, il va aller changer son carquois d'arc contre un carquois d'arbalétrier. Comme ça, il pourra tirer d'un peu plus loin. Hop. Hop, voilà, parfait. Allez, retourne au front. Du coup, si tu restes là avec Herse, ils vont pas avancer suffisamment pour se faire tirer dessus, hein, donc c'est comme tu veux, mais. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Bon, c'est un détail, hein. Bon, le mur commence. Va peut-être être complété. Ouais, encore deux Encore quelques briques blocs. et. Deux briques et ça va Normalement, il y être a pas encore mal. une couche. Hein. Oui, mais je veux dire, là, ils vont déjà être obligés de faire le tour, quoi. Ouais. En théorie, ça devrait être bon. Sauf s'ils commencent à construire n'importe comment. T'as vu qu'il te manque une tour de défense, là? Sur ta Oui, pierre j'ai vu. principale. T'en veux J'ai une? vu. Ouais, j'aurais bientôt chopé une. Bah écoute, soit tu me la chopes, soit je la pose comme tu veux. Ouais, je vais la prendre. Hop. Juste Ok. prendre des briques tronc à finir de poser son bloc. Fais-toi plaise. Moi je vais continuer Bon. ma petite selle du cristal en attendant. Puisqu'ils arrivent quand même un peu près à creuser. Au niveau des blocs de pierre, encore 45, on est large. On est large. Allez, pose bien ton bloc, pose bien ton bloc. Ouais. Il y a de l'idée. Ouais. Je crois qu'ils peuvent plus faire le tour. Bah si, ils peuvent passer par le pont pour Si, faire le si, ils tour. passeront Qu'est-ce par le qui. pont. Est-ce qu'ils se débrouillent? Pas mon problème. C'est ça, démerdez-vous. C'est ça. Tu veux tenter deux vagues pour voir ou tu veux d'abord une vague pour voir comment il se comporte? Oh, je sens très bien deux vagues. Ça me va. Alors ici Vivons dangereusement. on va mettre Cosinus au centre. Entre Monsieur Salé et Iron Tron. Bon, on commence à être bien niveau soufre. Maintenant, ce qui manque, c'est clairement du fer. Mais bon, ça devrait aller. J'aurais peut-être pillé un coup la mine qui est à côté de toi, là où les corruptrons ils apparaissent après ces vagues-là, si jamais tu ne la veux pas. Où c'est? De fer, tu parles? De fer, ouais, de fer. Ouais. Alors sinon, tu peux tenter le petit pont pour aller sur l'île. T'as des bonnes réserves de soufre et de fer sur l'île qui est à côté de toi. Ouais, je pourrais tenter. Si jamais les trucs qui pop là, ça va être moins drôle par contre. Bah, moi, quand j'ai fait le pont qui était ouais, sur l'île centrale, il y a rien qui pop dessus donc. C'est parti! T'en as invoqué deux du coup déjà, direct? Ouais. Ok, donc ils ont popé bien dans le tas là, pour le coup. Il y en a encore un qui fait le tour par la forêt pour essayer de creuser la montagne. Nickel. Ah, il y a des mecs qui sont au contact.
C'est pas une grosse vague, j'ai l'impression, non? Ou... Qu'est-ce qui se passe? Ah non, ok, la deuxième vague arrive par là-bas, d'accord, très bien. Je comprends mieux. Putain, il y a encore des péons qui sont en train de creuser la montagne, quoi. Il faudrait se les faire à la main. Je sais pas ce qu'ils foutent. Oula, petit Ils peuvent lag. creuser la montagne, pas de soucis. Qu'ils se fassent plaisir. C'est ça. J'ai l'impression qu'on a eu que des petits, non? Je sais qu'il y a un gros qui arrive. Ah oui, ok, d'accord, il est juste à, Il y a quatre là moyens qui sont devant. planqués, mais ils sont en train d'attaquer le mur. Ah oui, c'est des moyens ce truc-là, ok. Bon, ça marche plutôt pas trop mal l'idée du pont pour l'instant, hein. Oh, bah au moins ils passent au centre, ils sont bien. Ah, ils se font bien prendre en sandwich, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Puis on sent qu'ils ont du mal à calculer leur chemin, quoi. Ouais. Ah ouais, ils creusent vachement, hein, la vache. Ah, ils ont abandonné le creuset de la montagne et finalement ils font le tour. Bah ils ont abandonné, ils reviennent. Ils reviennent mourir vaillamment. Ouais, c'est à peu près ça. Il y en a toujours un qui creuse par contre, hein. Ouais. Enfin, en l'occurrence non, il creuse même pas, il fait rien. Bah je veux dire pour passer à travers ça, il peut creuser longtemps quoi. Ah oui, c'est clair. Ouais. Bah limite tu pourras le reboucher même de temps en temps. Ouais, ça. Parfait, il a bougé pile poil pour être dans l'angle de tir d'une tourelle, comme ça il va se faire tranquillement buter. Pas de stress. Tu veux qu'on aille les finir à la main les autres ou... Non, on regarde. Hop. Oh parfait. Et on va mettre du temps à tirer les tourelles. Hein. Voilà. Ah, il a bougé, on peut de nouveau plus lui tirer dessus, quoi. C'est pas très grave. Il bougera quand il voudra. On est pas à ça près. On n'a pas de torche ici. On va faire une petite balise. Hop, histoire d'y voir quelque chose. Ici aussi d'ailleurs, ce serait bien. Bon, on va juste se faire un petit mur là, casou. N'est-ce pas? On va le faire un peu plus avancé que ça. Bah, du coup, on va virer ça. Hop. On va laisser une place pour une porte, hein. Ça me paraît pas mal comme idée. Première vue. De toute façon, j'ai pas le choix. On va mettre des deux au cas où. On va mettre un autre deux par-dessus. Et une porte. Voilà. Juste histoire de dire. Construisez-moi ça et après on fera un pont pour aller voir un peu ce qui se passe là-bas. Alors, il y a Erz qui est monté sur le mur. Ah, je lui ai envoyé le petit Brictron, mais je crois qu'il trouve pas de. Il trouve pas de moyen d'y aller. Donc il va falloir attendre que le Corruptron il est. Ah, quoi que si, peut-être. Ouais, parce que j'ai demandé à construire un truc ici, donc peut-être qu'il galère un peu. Non, je pense que. Je vais essayer de l'envoyer juste derrière la forêt d'Amnet pour voir. Ouais, déjà prendre le pont, ça a l'air compliqué. Les mecs, ils font n'importe quoi. Ben, ça, tu sens qu'ils ont du mal. Eh, Corruptron, il commence à creuser, hein, mine de rien. Ouais, bah, je pense que si tu le laisses tout seul, y a moyen qu'il fasse un peu n'importe. Ouais, non, on peut pas passer dans cette foutue forêt, hein. Faudrait peut-être envoyer un archer plutôt. Je vais essayer d'envoyer Danton.
On va voir si en le mettant là, là, sur à côté de la forêt, il a un angle de tir suffisant. Là, ce que j'essaie aussi. T'as pas l'air évident, hein. Non, le mec, il a réussi à se faire une niche de protection, quoi. Ah ouais, ouais. Surtout que je sais pas par où il va, mais... Ah! Là, ça passe. Et en plus, je le touche. Enfin, en tout cas, il clignote. Je vois pas trop sa vie bouger, mais... Ouais, je vois... Mon archer, il arrive à rien, donc... Je vois pas trop sa vie bouger, hein. Si, je suis un peu. Un petit peu. Ah là, il va peut-être dégager un peu la voie, là. Il a cassé un autre bloc. Non, je peux plus lui tirer dessus, putain, sérieux. Si, ah, si, si, c'est bon. Ouais, je vois de nouveau les carreaux qui tournent en l'air. Ils font des virages et tout. Ah ouais, la vache, sa vie, c'est pas ouf, hein. Ah si, ça y est, ça commence à être sacrément plus attaqué déjà. Allez, Danton, t'as 3 minutes. Si tu veux pas mourir au champ d'honneur. Ça lag un peu, ouais, c'est bon. Allez, tu peux le faire. Encore un petit coup. Bien voilà. Joué. T'auras droit à une double ration de soufre ce soir. Le corruptron, il s'est cru dans Minecraft, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ah, n'empêche, il commence à remonter, hein. La vache. Ah ouais. Mais c'est un vrai sapeur, quoi. Hein. Ah, parce qu'il arrive sur le coin, là, et il fait comme s'effondrer une bonne partie du mur. Ouais, c'est clair, ça aurait presque le coup. Le prochain coup, j'aurais peut-être construire quelques murs dedans. Raser ouais, une partie de la forêt et. Construire quelques là, murs. J'y ai pensé quoi. Aussi, raser la forêt. Hein. Au moins pour être clair à ce niveau-là. Quoi. Pour voir passer quoi. Putain, mais qu'est-ce que vous foutez encore les gars, sans déconner là, bougez-vous. Tant qu'à rien foutre, vous avez qu'à chercher du fer. Ouais, visiblement, ça a pas l'air d'être très très probant. Tu y vas? Oh la vache. Ils veulent pas, hein. Ça y est. Bon, coach, je sais pas où il est parti, mais il est parti faire des trucs. Il fait tout noir! On voit bien la différence de camp, hein. Un, il fait tout sombre et puis moi c'est tout éclairé. Moi j'ai pas de soufre à perdre. Je n'ai pas le soufre à perdre pour faire des fucking lanternes. Exactement. Trop précieux. Ah mais il commence à avoir bien creusé ici. Alors la tâche... Pour bâtir dans le coin, voilà, c'est celle-là. Ah, c'est pas encore bien terminé. Tu nous envoies deux vagues cette fois aussi? Oui. Ouais, restons sur de long. Ça s'est plutôt bien passé, je pense. Oui, Charles Martel, c'est bien, travaille. Et j'ai pas désactivé la pierre ici, aussi pourtant. Pas d'où il vient. Ici peut-être. La tâche de ménage, on peut la virer. Hein. Non, la tâche de ménage, pas la mine. Voilà. Franchement, tu diras pas que je fais exprès. Hein. Je leur ai demandé de faire une mine. Ils arrivent quand même à laisser des trucs sur les côtés qu'ils peuvent pas miner, quoi. C'est pas de ma faute. Hein. Je suis désolé. Non, mais c'est. Et au bout d'un moment, c'est dans le code génétique, hein. C'est ça. C'est vrai qu'il est programmé pour ne pas miner correctement, quoi. Prochain jeu coop, on essaiera d'en trouver un où il n'y a pas de mine à faire. C'est chaud quand même pour un city builder. Hein. Oui, souvent, t'as un petit. Ah, ça y est, ils ont popé. Alors, il y a un gros qui lance des. Ils arrivent de ton côté, du coup.
On voit tes mecs qui passent sur le pont tranquille quoi. Pas de stress. Ils ont l'air vraiment tous d'être captivés par cette montagne, quoi. Ouais. Ouais, la vise Léon, ils veulent creuser jusqu'à ton cristal, rien à foutre quoi. À l'assaut! Ah, bien joué. Beau tir. Et du coup, ça a réinitialisé le. La Ouais. catapulte, je la vois plus bloquée maintenant. Ils sont bloqués sur le pont. Oh, ça fait du monde, mais globalement, on gère, hein. Ouais, donc on Bon, s'en après, sort. les tourelles, elles ont un peu de mal sur les gros, quand même, hein. Ça y est, ils attaquent ton mur. C'est là qu'on va voir si la conception est correcte. Je crois que t'as un mec qui va se casser la figure. T'as un archer qui est au corps à corps. Il s'est fait repousser sur place, je crois. Ah bah, il est mort. Il avait deux gros sur la tronche. Il est mort pour la patrie. Fais gaffe, ils sont dans l'angle mort, je crois. Ouais, si tes trucs derrière arrivent plus ou moins à taper quand même. Deuxième archer, c'est bon, il a tenu. Ben, c'est pas si facile, hein. Il faut qu'on ait finir le gros tas, je pense. T'as un mec qui est en train de faire je ne sais quoi là. T'as envoyé un mec au corps à corps contre. Bah même pas, je sais pas ce qu'il fait là. Je sais pas, il a rushé pour attaquer le corruptron. J'ai pas trop compris le principe, j'avoue. La vache, mais il fait tellement mal ce con. Il repousse pas lui, je crois, hein. Il fait juste des rayons à la con. Ça va, on va gérer. Bon, deux vagues, mine de rien. On a quand même eu deux morts, hein. Bon, un qui est un peu con, mais. Ouais, ça. Mais quand même deux morts. Hein. Ça arrive, ils sont morts pour la patrie. Oui, ils ressusciteront pour la patrie aussi, hein, s'inquiète pas trop. Le prochain qui pop, je pense que je le remets au turbin de d'arbalétrier, un truc du genre. Voir quelques renforts. Ok, alors du coup. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'ici ils construisent pas grand-chose, hein. J'avais bien validé la construction pourtant, ouais. Ici c'est pareil, ils ont l'air de galérer un peu, pourtant ils sont censés être 3 sur le job, mais faut croire que c'est pas assez. Ouais, mais il bug encore là, fait chier. Faut que je les fasse bouger pour qu'ils se débloquent quoi. Pour peu qu'ils soient bloqués, genre au fond d'un trou. Bah, du coup, on l'a dans l'os quoi. Ouais. Ouais, bah vous avez qu'à travailler là-dessus. Toi, t'as qu'à travailler là-dessus. Toi, tu travailles là-dessus. Ça le débug pas, hein. Si je lui demande d'aller bosser sur ce truc là, si je lui demande de venir ici et après d'aller bosser sur ce truc là, non, il s'arrête en pleine course. Non, ça y est, c'est bon, il est parti. Du coup, raser la forêt, bah ça va pas être facile, hein, avec des bandes de plots pareilles, et on va quand même s'y atteler Ouais. doucement. Ça risque d'être particulièrement difficile. Hop, voilà, on va se tenter un truc comme ça, puis on verra bien. Bon, du coup, le prochain, je vais peut-être finalement le garder ouvrier, hein, parce que. Avec des mecs qui. Tant, mais il a posé un truc, il s'arrête. Non, c'est bon, il repart.
Sans blague, quoi. Faut arrêter. Aïe, il a réussi à faire une porte. Ouh. Truc de fou. On va poser une lanterne. S'il te plaît, pose-moi une lanterne. Ouais, là, ce serait bien. Un peu en arrière. Si tu essaies de tirer la catapulte dans la forêt, d'ailleurs, ça nettoierait pas un peu les arbres? Ah, je peux essayer, tiens. Je vais voir avec la portée. Ah non, elle est trop proche. C'est trop proche? Ah, dommage. Ouais. Dommage, dommage. Bon, on a fait 33 vagues, c'est plutôt pas mal. Oh, bah 518,5 vaincus quand même. Hein. C'est ouais, pas rien. C'est vrai que c'est quand même plutôt propre. Ouais. Ces rouleaux-là, ils ont l'air bien buggés par contre. Je vais voir si ça marche ça. Ok, donc là c'est terminé ça. On va partir sur un petit colimaçon. Ouais, un truc comme ça. Bon, encore faut-il avoir un support, hein, bien sûr. Pose déjà ces deux trucs là, tu seras content. Ici, ils ont pas encore creusé beaucoup plus. J'avais pas fait gaffe qu'on voyait si bien les marches dans les escaliers, c'est cool. Le détail. Petit détail, tout à fait. Petit détail très très appréciable, ma foi. Au niveau des tâches, on a quoi? On a celle-là qui est en priorité 2. C'est quoi? C'est creuser ça, ok. Visiblement c'est une priorité 2 relative, on va dire. C'est pareil, c'est creuser là, mais je sais pas ce qui. Je sais pas ce qui les bloque. Pourtant ils peuvent, hein. Il n'y a pas de problème particulier. Ok, alors ici. Hop. Comment on peut monter ça? Hop. Oh, ça marche ça? Je suis pas ben convaincu. Très honnêtement. Mais on va tester, parce que pourquoi pas. Bon, je veux des petites expériences, hein. Voilà, vous m'en voudrez pas. C'est parti du jeu. C'est le moment de le faire. C'est ça. Puisque de toute façon il faut rien. Attends, mais les mecs, qu'est-ce que vous foutez quoi? Sans déconner. Elle est pas finie cette mine là. Ah non, elle est censée s'enfoncer encore jusqu'au bout du monde là. Bougez-vous, j'ai envie de dire. Bougez-vous un petit peu. Pourquoi ils arrivent pas à monter, c'est con? Qui sont coincés. Quel le fuck. Il y a un escalier, ils arrivent pas à monter les mecs, je comprends pas. C'est quoi, c'est ce bloc là qui vous gêne? Ah non, oui, t'as un bloc sur le coin. Bah ouais, mais enfin minez-le quoi. Je... que vous dire? Que vous dire? Moi ce que j'avais fait quand j'ai eu ce bug là, c'est j'ai créé une tâche bâtir. Ouais, sans rien, et la seule tâche que j'ai demandé c'est de détruire ce bloc.
ce que j'ai Et puis je fait. les ai assignés de force dedans. Je vais faire une tâche bâtir exprès parce que j'ai rajouté une existante et visiblement ils ont du mal. Voilà, parfait. Alors du coup, c'est pas tout ça, mais pendant ce temps-là, il se passe des trucs. On a une grosse saloperie qui arrive là. Donc là, il va foutre la merde, hein, ouais, voilà. Oula. Oula. Tu l'as vu voler comme moi ou... Ouais. Ok. Simple et efficace. Ouais, c'est ça. T'as mis qu'une seule vague là? Oui, j'ai mis qu'une. T'es pas encore satisfait de ta reconstruction de défense? Non. Ouais, ils commencent à creuser de plus en plus. Hein. Ouais, puis ils ont plus d'angle de tir en plus. Hein. Ah, on dirait que t'avais merdé ton mur, tiens. Tu commences à faire ça. Mal conçu, Katox. Ah non, c'est le... Je sais pas pourquoi il recalcule de passer par là maintenant. Non mais je veux dire, il a tapé un bloc et ça fait... ça pète tout quoi. Oui, il y a Prospero qui va crever là, je crois. Non, il fuit. Bien voilà. Joué. Bien joué, bien joué. Ah mais on peut invoquer quelqu'un. C'est parti. Un 13e mec buggé. Que demander de plus? Alors ici du coup, toi t'as fait ce qu'on t'avait demandé de faire, ouais, plus ou moins a priori. Hop, creuse donc un peu encore. Ce serait cool que tu puisses d'ailleurs creuser ici et qu'on fasse une mortaise ici pour soutenir nos murs. Est-ce qu'il va bugger parce qu'il peut pas miner ce truc là parce qu'il a déjà de la pierre sur lui? Non, c'est bon. Il va la poser. Très bien. Et on commence à être en déj de caillasse. On va leur demander de ramasser un petit peu de caillasse. Alors ici, il va nous falloir un truc en dessous encore. Pourquoi tu t'assois, mec? T'as des choses à faire, Legacy, là. Legacy? Non? T'as pas plus envie que ça, on dirait. Attends, le mec, il s'assoit, il se relève, il s'assoit, il se relève. C'est la fête. Pourquoi? Il peut joindre ce truc là. Il peut complètement joindre. Pourquoi il peut complètement joindre ce truc là? Il peut grimper là et y aller. Qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Je peux pas mettre de bloc là. Bah non, je peux en mettre un dedans mais pas en dessous donc ou alors c'est ce bloc là qui fait chier, mais enlève-le. Ouais, tu fais la gueule, t'as bien raison de faire la gueule, tiens. C'est vrai que par contre ils font un peu la gueule quand même les Brictrons, hein, faut avouer. Ils ont jamais l'air très très contents. Ok, donc ce bloc là il veut bien le casser. Très bien. Du coup derrière, ça ressemble à quoi? Ça ressemble qu'il faudrait peut-être un bloc là-dedans. Voilà. Et après, on mettrait genre un escalier comme ça. Ça, c'est dans tes cordes ou pas?
Ouais, ça a l'air. Ça a l'air d'aller. Ah non, mais je suis obligé de poser les trucs bloc par bloc pour voir là, c'est un petit peu zarbe. J'ai envie de dire. Alors coach, il est encore bloqué au fond. Et en plus, il est assigné à une tâche de construction qui a rien à voir. Non mais c'est n'importe quoi là. Oh là là, mais ils sont totalement buggés, c'est ouf, ils sont tous en train de rien foutre quoi. Je sais pas bien ce qui se passe encore. Ok, lui il a fini, mais il veut toujours pas creuser mes blocs. Bordel. C'est quoi le problème? On sait pas. Peut-être qu'il n'arrive pas à passer, il faudrait qu'on creuse deux de haut. C'est peut-être ça qui lui va pas. C'est peut-être aussi juste pour me faire chier, hein. Ça reste une possibilité. Ouais, je pense plus à ça d'ailleurs. Bah franchement là, j'en ai aucun qui bosse quoi. Ils sont tous totalement immobilisés. Ils font rien. Puis alors quand je sélectionne deux mecs, je les mets sur une carrière, ça monte à 3. Quand j'en sais, au lieu qu'ils sont que 2. Ah, lui il a réussi à faire des trucs. Ah, il a réussi à creuser ce bloc, ainsi à pouvoir creuser les autres. Ah bah voilà, on dirait qu'il y va. Parfait. Alors, vas-y, creuse celui-là. Ah bah tu l'as déjà creusé, parfait. Maintenant creuse celui du dessous. Ouais, mais tu vas pas pouvoir parce que tu vas être coincé si tu fais ça. Bah du coup creuse celui-là aussi. Alors raser la forêt, c'est absolument pas l'ordre du jour. Par contre, hein, je suis désolé Katok, je te préviens, mais. Oh, de toute façon, c'est de ton côté que ça craque, hein, si tu rases pas la forêt. Ouais non mais là ils sont. Je sais pas ce qu'ils foutent mais c'est assez dramatique j'ai envie de dire. Tu voudrais pas aller là toi? Bosser sur cette tâche de construction? Ouais, peut-être éventuellement. Ok donc ici, il devrait pouvoir casser ce dernier bloc. Et du coup, il devrait pouvoir faire une mortaise. Là. Vas-y, mec, fais ta mortaise, s'il te plaît. Alors, Charles Martel, il a couru vers la carrière, mais il s'est arrêté sur le chemin. Super. Visiblement, il ne peut pas aller plus loin. Ok, alors est-ce que tu pourrais t'occuper par exemple de construire? Ah, peut-être. Peut-être, peut-être. Alors ici, non, c'est pas ça. Cette tâche-là. On veut des corbeaux, cette fois. Puisqu'il faut des corbeaux pour pouvoir maintenir de la caillasse. Une fois qu'on aura fait un corbeau, on pourra faire. Un autre corbeau. Et Voilà. tout ça fera une volière. Tout à fait. Puisqu'il y aura plein de corbeaux. Alors j'aurais pu faire des arches, hein, on est d'accord, mais c'est plus fun des corbeaux. Et Comme à ça vous côté, tu savez pars. que si vous pouvez pas porter de la pierre avec des poutres, mais vous pouvez porter de la pierre avec des corbeaux. Et ça c'est quand même beau. Et sur cette magnifique réussite, j'ai envie de dire qu'on va arrêter l'épisode là. Parce que pourquoi pas, avant la prochaine vague. J'espère que ça vous a plu, il reste 20 secondes, donc on vous dit à très bientôt pour la suite, et merci à toutes et à tous. Salut.